Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au magazine économique chaque dimanche 3h sur Radio Métropole et sur Télé Métropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. Nous reprenons l'émission ça le mercredi matin après le point à 10h et samedi après-midi à 2h. Disponible sur YouTube, l'un capable d'entendre avec grand plaisir. Je viens de passer nos sujets d'actualité, les marchés publics haïtiens, les marchés communaux qui ont des problèmes brûlés, c'est pas année ça seulement. Depuis des années, marché a brûlé. Mais nous voulons garder sur notre angle. Marché a son angle économique, son angle politique, son angle social. Et pour nous faire ça, nous avons un expert en marketing, Claude Bernard Célestin, qui va aider à faire le développement du sujet. Ça. Monsieur Célestin, vous connaissez mon tour le salon. C'est la première fois. Bonsoir, Gessner. Bonsoir à toutes, les auditrices et tous les auditeurs. Tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs de Radio Télémétropole. Est-ce que vous êtes capable de m'avoir qui vous laisse ce get marketing avec marché? Nous, on marché là-dedans, mais est-ce que vraiment les marchés publics, est-ce que on va vous dire tout est marketing? Est-ce qu'il y a du marketing à l'intérieur? Oui, t'as pas dit quelle question pour commencer. Parce qu'effectivement, et bon, moi-même, et ma fond plaidoyer sur la question du marketing, que. Et, comme tu dis, l'économie est dans beaucoup de choses, ou est dans tout, la finance est dans tout, mais le marketing aussi est dans tout, ce qui veut dire que pour un pile bagaille qu'on a fait, ou besoin prendre une approche marketing, ou besoin prendre élément marketing nan, pour rentrer là-dedans, pour incorporer, pour capable de faire le plus bien. Parce que marketing, c'est qui ça? Au fait, c'est que c'est tout ce qu'on fait pour capable et réussir un bagaille. Donc, pour réussir, créer créer une clientèle pour entreprise, réussir fidéliser clientèle là et réussir faire clientèle là grossir. Donc, moi-même, moi prends marketing, pas ouais marketing seulement comme un outil et pour moi faire business, moi ouais marketing comme un outil pour moi développer et pour développer monde, pour développer institution pour développer pays. Donc mettre marketing la toute bagaille moi que l'approche marketing est fort utilisé. C'est ça mon plaidoyer. Il y a plusieurs segments, marketing commercial, marketing social et on parle de marketing sociétal également. Donc comment avoir une image, c'est important. Marketing politique et marketing là, il est vraiment de tous côtés. Vous comprenez? Et société et on va parler de marketing au pays. Image ou entrer aspect marketing yo dans tout côté parce que yon lan l'autre bagaille qui fait quoi utiliser c'est que marketing parti sous logique que il y a un marché qui existe. Donc si le market oui, marché. Oui, marketing sorti la market, ce qui veut dire que l'op mettel ING, ça veut dire que on est en train de commercialiser. Okay. Donc on va vers un marché et pour aller vers un marché, ce qui veut dire que ou parti sous que les autres existent. Vous comprenez? Mm-hmm. Et si les autres existent, ce qui veut dire que maintenant c'est toute une démarche marketing là, pour aller vers ces autres là. Et l'autre aspect en marketing là, c'est que les autres ne sont pas un tout homogène. Les autres, c'est moi-même, c'est où, c'est le caméraman, c'est le réalisateur. Il y a plusieurs parties prenantes. Oui, il y a un âge différent, il y a une couleur différente, il y a une origine sociale et différente, il y a un goût différent, niveau poche comme différent, éducation différent, valeur différent, ce qui fait que chaque grain de monde t'a considéré, chaque grain de monde dans l'espace à lui-même son marché. Parfois, on te parle de marketing individualisé, c'est-à-dire tu vas faire un marketing précis pour prendre Kessner, ou un marketing particulier pour prendre Richard Stein, ou un marketing particulier pour n'importe quel autre monde. Mais l'étape trop coûteux. Donc, dans beaucoup de cas, on ne le fait pas pour des produits extrêmement chers ou qu'a fait marketing individualisé. Mais l'on a fait marketing de masse et ça que vous essayez de faire, c'est qu'on vient avec la question de segment. Donc, tu regroupes des consommateurs qui semblaient, ok, ou fait enfin, segmentation, il y a deux barres là-dedans, c'est que ils sont opérations de rassemblement et ils sont opérations de division en même temps. Nous mettons tout le monde qui plus ou moins semblait ensemble, donc nous devons faire 4, 5, 6, 10
sans segment. Mm-hmm. Et son marché, moun sa ressemble sous point ça. Et puis, yon là. Mais pendant que ressemble ya, sous un point, yon gen différence entre yon. Ce qui veut dire que der moun gen moun, mm-hmm. et son bagay qui est extrêmement, extrêmement complexe. Mais c'est fondamental parce que pour moi, marketing prend et lié de vivre, lié de mon philosophie de la vie, de compréhension, d'accepter les différences, ok, par rapport avec l'autre monde, que l'autre monde est différent, que tu dois faire un effort pour vivre et accepter l'autre tel qu'il est. Yeah. On fait théorie, on met pratique là qu'on y a. Pas oublier ces marchés, mm-hmm. public, commune, on a parlé, bon cas spécifique qui arrive là, on a parlé de lui. Et c'est pour un seul cas qui arrive, il y a deux ou trois marchés. Et si nous avons 10 dernières années, nous avons plusieurs boulets. Est-ce que ce n'est pas ça qui a une communauté, son rencontre d'offres et de demandes, son rencontre côté des gens qui besoin acheter, des gens qui besoin vendre, ou parler de segmentation, il y a plusieurs types de produits dans l'espace ça. Qui faiblesse ou remarquer dans l'espace ça? Il faut me dire que y a une étude qui dit qu'il y a plus de 600 marchés comme ça à travers le pays. Ou bien 10 départements, ou bien 147 communes, et bien des communes, il y a plusieurs marchés qui sont ouais ou même le marketing de casse en a parlé là. Bon, il y a deux bagages qui frappent. Mm-hmm. Une la première bagage, c'est que en pile de marché que nous avons, c'est des marchés improvisés. Ça veut dire il y a deux trois monde qui commencent à mettre bagage là et puis bon, c'est pas un espace construit pour marcher, c'est pas un espace qui était défini comme espace de marché par les autorités, mais moun yo prend espace là, deux moun commencé, vin gen 10, vin gen 100, c'est un marché. Économiste, on a posé une question, est-ce que c'est la demande qui crée l'offre ou l'offre qui crée la demande? Ouais. Donc, puisqu'on dit les faits comme ça, qu'est-ce qui provoque? Non, mais parce que depuis que moun nan là et que gen moun ka passé qui gagne une demande, donc li vann et s'il vann, ça a attiré l'autre. Donc, dans un premier temps... Quand on va y l'entrée, l'autre est capable de venir. Il est à mon côté. Non, il est à mon côté. C'est un phénomène courant en économie, en business, parce que si moi, je marche, donc moi-même, je viens tout. Yeah. Et puis, bon, c'est ça. Bon. Donc, c'est une première bagaille qu'on gagne. Donc, à ce moment-là, comme ce n'est pas quelque chose qui est réfléchi, c'est comme pour les villes. Vous comprenez? Et on moun aller là, li mette kay li là, bon l'autre qui dit bon pou m pi pré ou bien me renmen koto ye a, m vini mete l pa ganyen k'organize et puis konsa ou e. N'est-ce pas le rôle des responsables maintenant d'aménager l'espace, d'éviter que ou pa bon gros marché, vi l'autre n'est pas de gros marché, ou gen doit payer l'état taxe, après moun a décidé c'est de barrer la mettel tout, comment éviter ce genre de choses là? Bon, ben justement, c'est qu'il y a des responsabilités à prendre. C'est pour ça que moi-même, je fais proposition ça, que mon approche marketing. Ou tu m'as posé mon question sur faiblesse. Je dis, premier gros bagage, ouais, c'est ça. Ceci n'empêche pas que dans le temps, il y a des marchés qui sont construits. Marché Salomon, marché Tête-Bœuf, marché Hippolyte, etc. Marché Poisson, Matissan, et il y en a plein d'autres qui font. Et qui ont même des espaces définis. Mais où est tout que yo même yo gagné, yo prend espace, mon yo sorti, yo prend dehors. Et puis marché yo perdu en pile de bagaille que longtemps au marché c'est ton espace. Moi même dès qu'on a le marché Hippolyte et avec maman dès qu'on a là et moi me songer bon c'est ton espace extrêmement propre dans les années 70, milieu des années 70. Extrêmement propre et pas de mouche, ouais, bonne circulation, etc. Son espace est. Qu'on y a jamais marché en venir, ce qui veut dire qu'il y a une certaine catégorie de clientèle qui n'y va pas. Mm-hmm. OK? Et puis, conseil de service qui parle à tout, il dit moun kap vini jodi, on dit que gen de moun ki gen machine. Bon, il pas ka parking parce que pas pa prévoir ça. Ou gagner même pour les marchandes ou les marchands eux-mêmes bon ben service qui fait défaut si n'a pas parlé de ça qu'a privé par exemple de marché qu'a boulé mais moi gon lisse qui bail depuis 2000 combien la quantité de marché parce que chaque année oui
systématique. Mais c'est comme une impression, c'est les mêmes choses qui se reproduisent et à chaque fois, on refait la même chose. Mais on va dire qu'il faut dire, bon travail qu'il faut faire pour que, par exemple, alors, un peu, à type moins en vini, nous t'attendais le matin, et c'était le vendredi après le carnaval, m'attendais une mobilisation gouvernementale. OK, sous question ça et puis m'entendé des ministres qui a dit que y a cherché responsable oui. Marché a qui pour bail liste mais nous trouvait que quelque part mais mon problème là oui ça montre exactement l'absence de gouvernance oui parce que nous pas la même c'est pas même rôle ministre là il dit que commune mairie c'est lui qui t'a supposé m'occuper ça justement et comment mon enfant de marché on pas enregistré je dis à mes amis dans le monde numérique c'est tellement élémentaire de savoir oui. Combien de personnes soit. Et par une discussion marcher qu'est-ce qui marche là tu es supposé gagner liste dans mairie oui maintenant la gestion de cet espace public on pourrait dire puisque marché n'est pas privatisé dans le cas d'Haïti non mais vous êtes capable moi-même proposition par maintenant c'est ouais que marché comme des entreprises communales c'est des actifs pour les municipalités et mairie a géré c'est sous compte en principe que vous voyez maintenant il y a des éléments que je n'ai pas concernant le cadre légal de gestion de ces marchés mais si son entreprise communale c'est-à-dire l'entre l'on logique que son élément productif qui peut porter revenu pour municipalité maintenant et si c'est une entreprise cela veut dire que il y a des normes de gestion qui pour appliquer à lui-même et maintenant, qui est lié avec management, finance. Comme maintenant, la gouvernance. Oui. Maintenant, la question du marketing, à lui-même, comment que moi, c'est que sur une entreprise, nécessairement, marketing n'est là, parce que nous dit marketing tout côté, institution, monde. Donc, même si ce n'est pas pour profit, mais marketing n'est là. Alors, l'approche, c'est quoi? C'est que si une mairie décide que l'a fait un marché, premièrement, il faut que ce marché réponde à un besoin. Donc, c'est un besoin qui est défini par rapport à un développement dans une zone, par rapport à d'autres éléments. La démographie d'abord. Oui. Donc, maintenant, une fois qu'on a défini que le besoin est là, maintenant, on va gagner du travail pour faire par rapport à la localisation, qui côté quoi met-il. Et puis devant, vous avez pour dire besoin, mais il y a deux groupes. Au marché, c'est l'offre et la demande. Il y a deux gens qui ont offert des marchandises, il y a deux gens qui viennent acheter des marchandises que les gens ont offert. Donc, si l'offre est là, il faut faire marché pour répondre à besoin de groupes de gens. Il faut que les gens machin yo fille ou homme des services précis li répond à besoin yo et puis faut que li rende et faut que li bay service à moun kap vini acheter tout ce qui veut dire que donc conception marché faut dès le départ les gens les utilisateurs soient au centre en matière de préoccupation sans oublier quand même l'environnement mon qui vit à côté des marchés qui gagne droit consommateur et lui-même la vivre dans zone pas d'arrêter vivre l'on bagage qui pas bon oui exactement tu as bien fait de le dire et mentionner dans texte là tout que marché au fait pour faire en tenant compte de la collectivité de la communauté environnante parce que la logique dans le marketing aussi c'est que ou pas gagne droit faire aucun bien même si ou bon parce que mien doit font bien li bon pour Pierre bon pour Jacques li bon pour Esther li bon pour m'pa connait Françoise et puis m'a fait comme avec eux mais on dit li bon pour 4 monde ça ou bien li bon pour 4 millions monde mais elle doit avoir 6 millions monde que l'a dérange ce sont des problèmes qu'on doit gérer en marketing qu'on doit anticiper et qu'on doit gérer. Dans le cas des marchés, c'est qui ça? M'pavle gon marché, c'est la sac à improviser, m'pavle que
li gâté quartier. M pa vle li devant barrière nan que kounyam la temps pris souple ban passer pour m'entrer la caille moi. Marché a gen doit porter des problèmes de ça de fatra de la zone moyen donc m pa vle kounyam que zone moyen. Bon, vous comprenez? Yeah. Donc ou gen ça. Maintenant en long logique dans marché qui constitue, il y a aussi la question même si li concevoir au départ il y a la question de la circulation. Est-ce que qu'on y a pour me traverser? C'est la logique, par exemple, dans un ensemble de villes et de ce pays, ah oui, où joindre le marché sur des routes nationales, yeah. Où on prenne, et puis où on fait une heure de temps bloqué parce que bon marché l'Esther, parce que bon marché yeah. Et mon oui, mais ils ont mal fait, c'est-à-dire que ça doit être, c'est pas sur la route yeah. Parce que là son considération marketing qui est pas faite, là il dit yo, ok li bon pour marché là mm-hmm. Parce que li même li là c'est même logique là sous la rue a d'un point de vue marché laisser faire tout a fait tout monde régler oui. Parce que moun ki li même li joine ba la sou la rue a li pi bon pou li pa gen pour le marcher plus ou bien li pa gen pour descendre machine ni pour aller pour la lâche li bon pou li bon pour machin nan tout mais li déranger en pile l'autre monde et l'autre fait business quel que soit ça k'ap fait là l'autre existe exactement et donc on doit protéger aussi les droits de ceux qui ne sont pas des même si aux minoritaires. Même si aux minoritaires. Voilà, on a suivi l'émission sur les marchés publics qui a brûlé, mais le fait nous voir comment on a vivre dans un pays, ça, comment on gère l'espace de et qu'il y a des acteurs qui sont là pour faire travail là, mais c'est la démission et ça coûte beaucoup au pays. On a proposé là, c'est la première. On a donné quelques instants pour la deuxième partie de l'émission. Mettez pour 50,000 gouttes. 7% à ponti temps pour bénéficier 7% obligé. Salé, ouf, Carole. Sans régler comme ça même, pas ou du tout. Ah, activité femme pas de temps. Au contraire, son petit temps prend là pour venir renouveler obligation BRH. On t'en parle de obligation BRH. Qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettre sous marché pour faire l'argent faire petit. C'est pour que pour pipiti 50 000 gouttes, ou quand mettre dans obligation BRH, qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année, ça bon net, oui. Et puis son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, pas jouer nos marchés. Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon? S'il monte, BRH a mis un petit plus sous 7% là. Qui donc? Pas de perdre nos marchés. D'ailleurs, c'est renouveler, je suis renouvelé l'obligation BRH là pour 3 mois. Et puis qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou à venir dans toute banque, à toute coopérative qui est dans la fédération, à l'autre institution financière. Eh bien, à l'obligation BRH, tout le monde qui ou fin pas les caroles, maléficiés. 7% obligation BRH, c'est comme vous, cap fait cash, pas négocier. 7% mettez pour mettre. Les campés par côté, la défense est là, la fête à faire marcher, toujours j'en ou tablé, ou toujours faire confiance. Passer le bar performance, pour satisfaire sans mot. Lorsque c'est client, Sojé Bank. Sojé Bank, toujours bas côté mes amis. Sojé Bank, toujours bas côté, côté. Sojé Bank, toujours bas côté mes amis. Sojé Bank, toujours bas côté, côté. Sojé Bank. Bienvenue dans ce magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche 3h et sur Télémétropole le dimanche soir à 7h. Nous reprenons l'émission ça le mercredi matin après le point et samedi après-midi à 2h. On a parlé de marché public et on a regardé le sens qui est beaucoup plus global, pas regarder un deux marchés, mais tout environnement, tout contexte. Tout à l'heure, après 70, quand on a le marché Valière avec maman, qui dernière fois le marché Valière, qui dernière fois qu'on a bien ça, on a le marché. Oh, ça a gagné quelqu'un. Ça fait longtemps. Oui, ça peut être. L'explosion démographique. Peut-être qu'on 10 ans. Même quand on m'a allé de côté tout,
pour m'observer, pour moi, pour moi ça qui passe. À moins que conditions sécurité ou si genre est trop compliqué. Donc aspect sécurité tout en demande. Oui, oui. Donc les villes ont cru à un rythme exponentiel. Je vous dis, il y a plus pour nous qui vivent la ville que des monde qui était dans le secteur rural là. Ou un lien qui gagne entre secteur rural là et secteur urbain à travers les marchés. Parce que c'est dans le secteur rural là que vous pouvez manger. Et c'est la pointe de rencontre qui fait ensemble de manière négative, moun en dehors et moun en dedans. Cette explosion démographique que nous vivons là pour nous, que le marché n'est pas capable de gérer, est-ce qu'on a appelé que depuis qu'on ou quoi au niveau démographique, on est obligé de vivre comme ça? Il faut que saleté, il faut que vous la boue. Comment vous gérez ça au niveau marketing? Bon, il y a des opportunités. Voilà. Et que il ça n'en manque pas. Il n'en manque pas. Non. Le plus important que j'ai une opportunité, c'est mieux dans sa case qui domine. Bon, alors, nous avons fait une remarque là, et avant de commencer à parler et vraiment et en onde, c'est que si vous faites quoi, vous avez ou n'importe quel autre espace de marché, vous avez un pile déchets. Mais un pile déchets organiques, et c'est feuilles laitues, et choux, bout de carottes. On sait et certaines en partie que vous pral et que vous pas utiliser du tout. Ça veut dire que vous pral couper, vous voyez jeter. Et il y a un premier travail qui était capable de faire depuis la zone rurale là, avec ou mettons entreprise de nettoyage. Et de enfin, séparation, couper ça qui est inutile, nous sommes capables de prendre toute partie, tout bah, ça qui est un régime, et banane, et feuilles, carottes, là, tout bah, ça, nous retirer, et puis nous prenons l'utile, les bêtes, nous prenons pour élevage, ou bien compost, ou bien n'importe quel autre bagaille, fait gaz, etc. Mais puis, pour nous mettons l'emballage propre, et puis nous voyons la ville. Donc là on opportunité pour des entreprises. En Haïti, il est facile pour nous dire que le secteur public a échoué, il va faire travail marché. Mais nous-mêmes tout, Jean-Abdil là, entrepreneuriat, si nous faisons un cluster, un grappe, un regroupement, depuis côté le secteur rural là. Et on prend le cas, par exemple, le cabaret, que nous connaissons et cacaille particulièrement, qui a fait banane. Donc pour qui ça me paraît mettre un équipe d'entreprise pour lorsque vous retirez banane dans la terre, ou bien dire là, nous commençons à préparer banane. Nous commençons à mettre le long sachet et qui prend l'avantage, c'est la chaîne de valeur tout le monde. Donc, comment pour nous prendre problème ça marché à poser pour nous transformer le menace en opportunité ou bien aller là? Regardez combien de business, nous avons transporté les produits à venir dans le marché. On a parlé de parking d'ailleurs. Parce que les gros camions viennent déposer, ils ont bloqué la rue. Tout à fait. L'empêcheur vivre. Comment organiser l'espace haïtien? Comment petit espace marché à mes amis, si nous pas gérer, comment vous gérer ville là? Bon, c'est ça qui fait que moi-même moi fais texte là, parce que moi pense que les mairies définissent qui ça marché en y, comment marché pour gérer, quel type de service pour le rendre et pour pas nuire collectivité, là rentre toute dimension ça. Faut me faire marché pour servir marchand yo, pour le bail tout service que au besoin, faut me faire pour mairie pour me rentrer comme forme faire pour moun k'ap vin acheter yo, forme faire tout pour l'autre moun qui pas en affaire de marché ça du tout, qui pas jamais gagner pour yo vin acheter, qui pas intéressé à ça, qui passer dans zone qui rete éventuellement que li pas nuire et soumettre la dimension ça, ou pour que effectivement nous pral wè problème par exemple déchets. N'a pas elle depuis en amont. Car on proposition qui dit que par exemple, conseil de produits, on pas vendre comme ça. En dans marché, nous définit qui gens pour produire arriver et tout le monde obligé conformer à ça. Ça a créé et là c'est des dispositions réglementaires ou légales. On prend quoi beau ça là comme exemple. En fait, quoi Venezuela tu ben comme pour faire quoi beau ça là. Et nous là j'ai la rue quoi beau ça là. Bon, pour moi, c'est difficile pour vous, mais oui. Comme c'est le cas classique, n'a pas parlé là. Ou imaginez-vous que ma chaîne entre dans la rue, ma chaîne dans la rue, déchets dans la rue. Après, quand il y a une route qui est bien large, là, moi qui n'ai pas gagné aujourd'hui. C'est la plus grosse route qui vient. Quand il y a l'une de nos sentiers. Oui, mais parce que. C'est un corps. Deux tiers de la route là, occupés par ma chaîne et par Fatra.
Alors que nous avons construit en hauteur, comme si marche n'est pas supposé déranger le monde du tout. Du tout. Il y a beaucoup d'espace. Alors, et le texte que je fais a produit certaines réactions. Et il y a un monde qui t'est partagé avec moi ou idée de moi ça. Bon, la proposition qu'on fait est très intéressant. Mais est-ce qu'il y a marché? Parce que il connaît que dans la Tibonite, parce que là, on a pas trop en question de dimension mystique. Dans bagarre là, on est mystique dans de marché à tout. Oui, gen moun ki partage la même. Oui, gen moun ki pa vle que marché au propre ou bien que le ta bétonné par exemple dans la Tibonite parce que on série de bagarre pour yo faire, faut yo ka planter protection yo, faut yo ka cimer. Le gospel culturel qui est là. Oui, bon bande de bagarre. Alors, moi dit sur ça, on pas pral nier aspect ça parce que li existe vrai dans pays et ce marketing nan mandé pour tenir compte parce que si m'a comprendre pour m'ba un bagage qui pour moun nan faut prendre donné pas en considération. Donc li t'a dit nous pral faire enquête auprès de moun nan nous pral ouais côté réticence sauf que m'pa parti sous postulat que li pas possible pour nous faire un bel bagage parce que moun yo vle rete comme ça sous bazar parce que longtemps comme je le disais, ma chevalier était Hippolyte. Parce que non, ma chevalier, si je me dis que je suis un peu de qui ça n'a parlé. Donc c'est Hippolyte qui vient de valier là. Oui. Yeah. Et ma chère en bas. Ma chère en fait. Marché en fait, ma chère en bas. Alors il y a deux aspects dans ma chère ça tout. C'est que grand marché pour produits agricoles, ok, du riz, poids, des légumes, même des viandes tout. On sait que une section boucherie à part la marché et puis où on l'autre partie la marché et qui lui-même c'est produit artisanal tableau oui et puis l'autre type de produit. Mais il y a plusieurs catégories de marché. Oui, il y a plusieurs catégories. On parle de 18 millions de dollars américains que Digicel t'a investi en dans espace ça parce que Digicel t'a gagné après tremblement de terre, t'a pensé que l'état t'a refaire zone là, il t'a positionné ça pour lui-même. Est-ce que le plan d'urbanisme pas supposé prendre tout ça en considération? Est-ce que ça continue à fonctionner comme ça, mes amis? Bon, ça, c'est assez triste, Kessner. Le Digicel fait ça, moi-même, j'ai vraiment applaudi. Parce que, bon, peu importe le coût, il te met à coûter 1 million de dollars pour entreprise privée. Ouais, après le tremblement de terre, pour le faire ça, et le marché, c'est un symbole. Parce que son architecture, à lui-même et yo kembe ça yo refait sous même modèle et ancien ce qui veut dire que son patrimoine culturel son patrimoine touristique que lié donc marché Hippolyte mon dimension en plus c'est que c'est pas seulement un marché un simple mais construction ancienneté type de construction architecture a fait que son bagage qui mène touriste et qui sont attractions que lié pour monde donc sont l'autre source de revenus que il capable que le capable porter parce que là il était capable créer un service côté de monde t'es cap produit de petits marchés et valières en miniature des choses que tu vas vendre donc il y a plein d'idées de choses c'est ça qui fait que on dit même marché à comme entreprise il fait pour gagner ou division marketing. Alors là, me dit ça, pas veut dire qu'il besoin d'un paquet de monde non, mais c'est que gagner une réflexion sous partie ça qu'a fait. Alors nous parlions de ça, moi me trouvé que Digicel fait un bagage exceptionnel, extrêmement intéressant, mais c'est dommage que ça arrive, hein, tu avais dit que nous pas protéger un investissement et un investissement pareil. Benna, est-ce que tu as supposé, à partir de l'investissement, ça, tu as un conseil d'administration, puisque tu parles de marketing? Parce que c'est pour tout le monde dans le marché à connaître. Lorsque l'image marché à Pibon, l'image zone dans Pibon, même en sécurité, il y a plus de monde qui a appelé Vin Lado. Pourquoi pas ce conseil d'administration? J'étais choqué qu'après les directrices qui sont responsables de ça. Mais il fallait que la commune, la mairie, un conseil d'administration, il y a un droit là-dedans, marché nous représenter. Et même les gens qui ont fait livraison stock en marché, parce que je dis que bon building qui est dans la zone, qui vend par marché, ce cluster dont on parle, pourquoi on ne retrouve pas ce minimum d'administration
ou t'as fait plus comme communauté t'as vivre plus bien. Et même si un texte soit ça la essayer chercher. Oui, on peut vivre différemment. Oui, c'est clair, mais problème nous c'est genre plus grave. Mm-hmm. Parce que on aurait pu avoir ce conseil. Et malgré tout, avoir ce problème. Même parce d'accord. que j'ai par exemple dans d'autres dimensions, l'on a dit un conseil, d'accord, parce que la logique que je propose, c'est ça. Mm-hmm. Mais, et c'est ça qui fait que parfois, je dis, il y a un autre marketing que toute entreprise gagne pour faire et que n'a pas fait. Bon, je recevrai quelqu'un à mon émission qui va un peu parler de ça. C'est que l'entreprise a gagné au monde, et dans le cas du marché, comme dans le cas de n'importe quelle autre entreprise, il faut que bon monde qui parle avec autorité publique, yo, autorité locale, yo, autorité nationale, yo, pour améliorer un série de barrières. Et là, ça, ou pas qu'à faire pour compte, comme entreprise individuelle, parce que c'est une question de faire pression. Et à ce moment, c'est pour ça que tu as besoin de rentrer dans des associations, de faire partie de groupes. Et ensemble, nous pourrons faire pression sur les mairies, sur l'État central, pour le banon, une série de l'ordre de service, l'un milieu. Lorsque je parle de ça, de conseil, ça fait mérite, c'est que n'a fait digression sur l'autre aspect. Et dans le cas de, par exemple, pour une institution comme l'UNA, et tu as fait un plaidoyer pendant des années et le secteur privé et d'autres l'autre monde pour le chaos. OK. Le chaos, c'est une catastrophe, je veux dire. Le chaos, c'est une catastrophe. Le chaos, c'est une catastrophe. Bon, gars, le chaos, c'est une catastrophe. Même bagaille, a fait. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas vivre de la gouvernance, de le vivre ensemble. C'est-à-dire que l'Haïtien ne peut pas faire ça, c'est ce que bon, je ne pas dire que l'Haïtien ne peut pas faire ça. Donc, comme professeur, si je mets tout cas ça, mettez-vous là, gros problème. La gouvernance, oui, mais c'est pas irréversible. Somme chinois, non, mais c'est pas irréversible. Okay. C'est pas irréversible. Je ne peux pas dire ça. Cela veut dire qu'il y a un travail à faire pour changer ça. Tu vas au centre-ville. Je prendrai la Banque nationale de crédit, la Banque centrale. La Banque centrale fait de gros investissements en bas la ville. Elle met ton convention center, leur building, leur siège social, la BNCA, un très beau local à la rue des Miracles. Eh bien, juste à côté, au milieu de la rue des Miracles, ces institutions ont des conseils. Okay? Au beau milieu de la rue des Miracles, tu as des trous et des goûts ouverts. Là, c'est la mairie de la ville qui doit lui-même jouer sur l'environnement externe. Oui. Pour me attirer d'autres investissements. Oui, non, c'est pour prendre un exemple, pour dire, même si tu as un droit, tu as un bon conseil, mais il y a un travail, ce n'est pas pour faire, ou obliger qu'on y ait pour faire pression, pour faire une forme d'organisation, de communication, de dialogue avec les pouvoirs publics et de mettre main tout pour faire une série de. Maintenant, bien quand on mène sur le terrain ça, est-ce que les différents conseils, qu'il était BNC, qu'il était BRH, qu'il était marché, qu'on y a, si on fait un groupe de pression pour le dire, mais il y a, il faut faire quoi, qu'on y a, il faut améliorer la zone de Bourbondo. Bon, c'est sûr que mon barrière n'est pas fait. Voilà. Justement. Donc, cette approche-là, moi, qui ça fait me dire, l'offre fait marketing, toujours gagner un élément ça. Parce que gagner un élément qui ne peut pas descendre en bas, justement, à cause de ça. Mm-hmm. Maintenant, nous tournons le marché. Est-ce que Marchand, ils sont prêts pour payer tout, pour être capable d'un service public ça. Parce que privé n'a pas jamais capable de faire tout le bagaille. Ou besoin de capitaux privés pour faire investissement, mais capitaux publics là pour créer écosystème, pour créer environnement, n'a pas là. Est-ce que machin là, sont ils malheureux, moi je suis pas capable de payer. Est-ce que ne pas supposer faire mon comprendre que il y a un service à vous donner, mais il faut payer pour. Comme ouel. Parce que le paiement, en quelque sorte, que nous-mêmes, on peut aller des taxes, des impôts, pour nous mettre comme ça. Peut-être que comme là, pas aller côté pour l'aller, mais machin, il a payé. OK. D'une certaine manière. Mais si vous payez, il faut moins de comptes. Oui, non, il a payé d'une certaine manière. Mais bon, je ne sais pas qui s'allie par rapport aux mairies exactement, et qui gère. Les deux principales sources d'entrée pour les mairies, CFPB, et avec impôt locatif là, patente là. Oui. Marché à paraître juste en bas parce que je travaille sur le dossier ça.
et manger aujourd'hui là sont sous de revenus. Oh oui, non, parce que c'est de côté qui a brassé. Qu'a brassé comme moi-même, moi, ouais, que comme source de revenus, c'est-à-dire non seulement, bon, peut-être que tu as un droit à une taxe et communale, ok, sous chiffre d'affaires. Dans certains pays, la taxe sur le chiffre d'affaires, il y a une portion qui pour le gouvernement central là, et une portion pour le gouvernement local. Vous comprenez? Donc, tu as gagné un bail de ce genre. Donc, vraiment, un changement du cadre. Et légal, un changement de loi sur ça, mais ou bien revenu location et espace, c'est-à-dire c'est des espaces divisés que nous avons loué chaque marchand, peut-être même telle superficie, bah, elle a son mètre carré que lié, donc vous payez tant en fonction de grosseur qu'on prend, mais maintenant tu peux payer aussi pour d'autres types de services ou à acheter à l'intérieur de l'espace là. Plus, moi-même, je dis que machin, il a besoin de formation, il a besoin, et puis il y a l'autre formation, il a besoin de services financiers, il a besoin de bon type d'assistance que l'institution qui est le marché, qui accueille, pour me dire, ok, moun sa yon besoin de ça, un poton additionnel de service bio, que nous avons besoin de l'autre côté, que nous sommes capables de faire payer pour lui. Vous comprenez? Parce que la demande est là. Oui, non, la demande est là. Yep. Et puis, bon. Que l'assainissement, qu'elle finance, tout ça, vous avez besoin. Maintenant, je n'ai pas fait de calcul pour dire combien, parce que ça, c'est un autre travail, pour dire qui ça t'a capable de porter. Mais et c'est clair que la poton bagaille pour les mairies, la poton bagaille en plus pour machin, la poton bagaille en plus pour moun qui a envie. À l'acheter ou à boire l'autre type de plaisir et puis la porter tout pour communauté, pour ville, pour mairie. Donc c'est une opération gagnant-gagnant pour, tout le pour toutes les parties. On a proposé la troisième partie de l'émission pour nous développer reste partie, ça n'a pas parlé là, comment mieux organiser l'espace du marché. Pour mettre, bipiti 50 000 gouttes, 7% à petit temps, pour bénéficier, 7% obligé. Salé, oh, Carole, sans régler comme ça même, pas wot du tout. Ah, activité femme pas guetan. Au contraire, son petit temps prend là, pour venir renouveler obligation BRH. On t'en est parlé de obligation BRH, qui s'allie même? Obligation BRH, c'est un produit banque centrale mettre sous marché pour faire l'argent faire petit. Débouqué pour pipiti 50 000 gouttes pour mettre dans l'obligation BRH qui rapporte 7% d'intérêt chaque année. 7% d'intérêt chaque année? C'est bon net, oui. Et son petit dollar, je vais l'acheter pour me serrer, oui, Fanny. Ah, qui a joué nos marchés? Qui a fait acheter dollar serré ça? S'il descend ou bon? S'il monte, BRH a mettre un petit de plus sous 7% là. Qui donc? Pas de perdu non, ma chère. D'ailleurs, c'est renouveler, je suis renouvelé l'obligation BRH pour 3 mois. Et puis, qui compte exactement ma jeune produit ça? Ou abjeune dans toute banque, à toute coopérative, qui dans la fédération, à dans l'autre institution financière. Eh bien, à l'obligation BRH, tout j'aime gagner. Ou fin pas les caroles, mal et 7% obligation BRH, c'est qu'on vous cap fait cash. Pas négocier, mettez pour mettre. Les campés par côté, la défense intérêt, la fait affaire marché, toujours j'en ou table, ou toujours faire confiance, passer le bar performance, pour satisfaire sans mot, la séquence sauge et bac, sauge et bac, toujours bas côté mes amis. Songez banque, toujours bas, côté, côté. Songez banque, toujours bas, côté, mes amis. Songez banque, toujours bas, côté, côté. Songez banque. La première fois, c'est le magazine économique sur Radio Métropole chaque dimanche à 3h. Et sur Télémétropole, le rendez-vous économique le dimanche soir à 7h. On a parlé des marchés publics, comment nous mal gérer, comment. C'était une grosse opportunité, mais malheureusement, gestion pas bien faite. Claude Bernard, nous retournons là, nous sommes gardés toute opportunité qui vient au marché, depuis terre, parce que grand pile produit qui sortit en train de marché haïtien, parce que l'agriculture domine le marché. Le fait que nous ne pouvons pas faire gouvernance, nous ne pouvons pas mettre organisation,
au paquet d'opportunités. Je dis autant de que le marché a 100 000 dollars américains qui ont perdu en dedans, ou machin de gagner, des passeports dans le marché, ou ils ont perdu avec l'argent dans le marché. Ou tu as parlé tout à l'heure de services que tu es capable d'offrir dans le marché. Qu'est-ce qu'il faudra faire pour que le marché n'a pas tourné en malédiction, mais plutôt son source d'argent que tu as, parce que son point d'échange entre deux parties. Et même lorsqu'on parle du PIB d'Haïti, le marché a provoqué également. Tu es capable d'augmentation pour l'intérieur brut là. Mais si on gère le tout, on est capable de diminuer. Qu'est-ce qu'on peut faire micro pour que macro a marché bien? Bon, à l'intérieur des marchés, c'est-à-dire, on t'a parlé d'un bon type de service qu'on a mis, par exemple, des services financiers. C'est-à-dire que vu quantité comme cap roulé en le marché et ou institutions financières ou quelques institutions financières, tu es capable bien, peut-être pas une succursale, mais une agence à l'intérieur, ok, pour mon yo capable de faire des dépôts facilement, et ou tu es capable de gagner une cafétéria, ok, en marché qui a servi aussi bien, en fait, tout usager que c'est mon qui vient acheter. Donc peut-être même marché, tu es capable d'investir dans une cafétéria sur l'autre business. Oui. Tu comprends? C'est clair. Parce que c'est comme ça, le bureau. Oui. Tu travailles, vous faites toute journée là. Oui. Bon, on marche, son mall. Voilà. OK. son mall, voilà le terme. Son mall. Il y a les supermarchés ici. Oui. Mais pour qui ça n'est pas capable de prendre ça lui-même, pour mieux gérer, pour capable de générer plus de revenus? Pas seulement la vente du produit, mais également, comme tu as si bien dit. Alors, ça ne veut pas dire que ce ne serait pas la même. Alors, pour qui va voir, je l'ai dit, mall là, pour ne pas capable de l'expliquer. Alors, mall là, son espace. Un grand espace qu'on construit, son sorte de ça, il y aurait les plazas ici, mais qui est beaucoup plus grand. Alors, qui prend les. Il y a fait espace là, et puis il y a loué un bon business qui vient mettre magasin. Mais comme on est un bon monde qui vient acheter, un bon monde qui travaille dans l'espace là, on n'a pas rien pour le sortir, pour aller de yo, pour aller chercher banque, pour aller chercher. Et côté pour le manger, il y a un restaurant qui loue espace tout, ou du moins si on fait ça, il y a un food court, donc son espace central, il met tout le monde qui loue espace pour faire manger. Et puis, qu'on y a, ou à l'acheter, la même moune ou vle, et puis qu'on y a, nous tout chita, le même espace là, ou manger à force, ou vle potel ou potel. Maintenant, pour marcher, il n'y a pas besoin, il n'y a pas fait exactement même genre, puisque nous l'on culture qui est différente, n'a pas parlé de, on sait, surtout c'est des produits agricoles, mais nous qu'a fait un bagage qui est belle, nous qu'a pris un modèle ça, ok, et puis nous adapter avec la réalité haïtienne pour nous faire un bagage qui belle, qui digne tout. Parce que un peu, c'est bien de bagage comme si Mdadou, ici, et là c'est ça, mais bon, c'est ok, les mettre dans la crasse, dans la saleté, non pas qu'à faire un bagage qui ont des gens. C'est le manque de vision là. Au niveau qui pire, c'est même gens peut-être Mdadou, le niveau de parc, tu prends le parc industriel. Mais c'est pas normal que l'on gros espace comme ça, que pas gon un bagage qui prévoit pour gon bel espace côté que mon yo capable de dire yo ka fè la avec même moun machin et ka fè manger cuit yo, mais ou changer bagage là et l'état t'a bon l'autre bénéfice là-dedans, c'est que ou a retirer de moun yo un peu plus dans l'informel. Ça veut dire il faut contraindre les gens sous c'est l'état, il faut, ça marche par la contrainte. Est-ce que réfléchir pitié à pas coûter dans pile cob et perdre en pile opportunité? Ma prend exemple particulièrement de machin fruits qui Pétionville là. Bel petit projet. Mais est-ce que c'est dans la rue à m'obliger parking tout? Est-ce que si m'te cherche un espace, m'te toute machin fruits sur le côté et m'n'a rien à prendre petite moi même j'ai mal supermarché là. Parking, payer parking s'il le faut même. Oui. M'entrer, m'acheter fruits que m'vleu et peut-être m'ta capable chita by blague avec amis. Pourquoi au niveau communal on ne peut pas avoir ce genre de vision pour voir que yo capable générer plus comme et tout le monde va gagner en quelque sorte. Bon, mon texte c'est justement non, pour ça. Voilà. Oui, non, c'est ça, c'est que et ce que tu dis c'est quelque chose qui est faisable. Maintenant bon, dans certaines zones ou un problème de qui côté ne va le faire parce que ça a l'autre coup puisque espace sur fin approprié mais il n'y a pas quitter oui il n'y a pas de quitter espace donc ça a un coût de dommagement etc. mais ça demande et son vision pour gagner mais soit parler de mairie ça veut dire il y a l'autre bar qui gagne il y a un gros problème
pour les, dans les villes ou dans les espaces urbains, c'est des problèmes de parking. Donc, il y a des particuliers qui font parking, mais la mairie est capable de faire espace tout que les construit et son gros source de revenus. On revient de, nous à, la, la gouvernance normale. Oui. Côté projet, on espace urbain, il faut un espace. Yes. Côté pour parking machine, les gars, tu as fait un pile comme si le grand building, tu as fait 50 gouttes là où tu as quitté le lag et tu as sauté. Oui. Tu as dépensé plus comme encore. Donc tout ça encore, c'est. Oui. Donc, je pense que nous centraliser bah, trop en laine, pas jamais. Moi, dans le texte, on parlait de ça. Tout, à, dans le texte, on parlait de ça. Côté que pour qui vaut la commune, qui vaut le magistrat, qui vaut la façon de faire gouvernance locale là, et qui vaut le président, qui vaut le premier ministre qui pour connecter tout le bagage ensemble. Donc, il faut qu'il y ait une meilleure. Ouais. Redistribution même du pouvoir dans ce pays. Bon, certainement. Et puisque nous avons parlé de mairie, nous avons débordé cadre des marchés. Et par exemple, si on regarde tout ce qui manque dans des villes, ben, les mairies peuvent se voir ça comme de, aussi comme des opportunités. Mettons comme nous sommes capables de dire actionnaires avec des privés. Partenariat public-privé. Partenariat public-privé, il y a une loi, par contre, s'il n'a pas appliqué la CASA, une société, des sociétés d'État, et mix ou autre, et puis, on construit une bande de bagailles, qu'il s'agisse de parking, qu'il s'agisse de complexe immobilier, qu'il s'agisse de. Bon, on l'autre bagaille qui n'est pas rien, et gymnasium, ou bien des parcs. Tous les équipements humains. Oui. Et bon, on dit, le fait que ce document là, Haïti, il y a plus que 60% de monde. Dès qu'on est à 52, mais le dernier chiffre, il y a plus que 60% de monde qui vivent dans l'espace urbain. Plus de 100 000 monde chaque année quittent le secteur rural là pour venir dans le secteur urbain. Donc on n'a pas le choix. Si on... Le 21e siècle, c'est un siècle urbain. Ah oui. Et maintenant, l'ensemble là, et ça impose beaucoup plus de responsabilités à tous les dirigeants. Mais moi-même, je fais toujours à l'université, je me dis, étudiant mieux, que les défis à venir vont être beaucoup plus grands, nous avons intérêt à préparer. C'est sûr. Parce que si on a une élite qui n'est pas préparée pour affronter les défis, parce que ça l'a dit là, Kessner, de bagaille qu'on a dit depuis 20 ans, qu'on a prêché sous ces de bagaille, mais au moins si on avait fait un quart de ça, nous tapons loin. Et ça, là, dit, ce n'est pas comme si ces deux bagailles où nous mettons nous extrêmement sur l'autre planète ou bien sur l'autre. Mais c'est des choses qu'on a vues qui se sont faites ailleurs, nous garder de l'autre bagaille, nous lis sur yo. Et ce sont des choses qui sont possibles. C'est ça qui fait que moi-même, je ne dis pas qu'à dire que, bon, nous là, mais l'ensemble, nous ne pouvons changer. Ça veut dire qu'il faut. De la volonté, mais il faut aussi de la vision. Il faut accepter de mettre la science, parce que il y a deux bagages qui sont là, ok, nous voyons, mais nous ne parlons que science. Faites, nous plutôt politiser. Plutôt nous l'aide nous là. Est-ce que nous, quand quitter responsabilité seulement en l'air, est-ce que par exemple, éducation pour faire sur les gens qui fréquentent les marchés, particulièrement les marchands, qui investissent de l'argent, de les 100 000 dollars américains, quel minimum d'assurance pour gagner l'homme mettre tout le bien là après qu'on y a ou dans la ria ou à courir de l'état à boire 20 000 gouttes bah la vingt gon une double conséquence lui dérange moi même qui parle en marché puisque l'état pas de gagner l'argent ça il a mettre la main donc si marche à bouler comme ça l'état paye des bails comme qu'est-ce qu'il faudrait faire sur le plan financier pour minimiser les risques quand les risques sont là. Bon, et si on continue avec cette approche, même bagaille a fait. Parce que nous connaissons que, ok, nous faisons ça, c'est ça que nous avons fait. Moi, je crois que c'est encore la rigueur. C'est-à-dire que si nous décidons que nous, prochainement, que nous avons une question de marché boulé, nous ne pouvons pas entrer dans la logique. Ce n'est pas que nous comptons assistance là parce que les gens ont perdu, effectivement. Mm-hmm. Mais des fois, c'est-à-dire, il faut anticiper. Il faut qu'on ait dit, on organise et on fait un bagage pour éviter que ça arrive. Si nous ne voulons pas entendre, nous ne voulons pas faire, l'arrivée, le gouvernement ne donnera pas de subvention. Parce que, en plus, il y a de l'autre donnée que je gagne qui dit que.
Bon, autant de gens qui disent c'est accident, gen l'autre monde qui dit c'est bah criminel. Mais gen moun ki même dit que gen de moun ki gen intérêt même pour yo faire ça. Ça veut dire gen des guerres de gang à l'intérieur la sécurité à l'intérieur même de l'espace. Gen des guerres de gang parce que la sécurité publique là elle est pas exercée, gen des moun qui en dedans qui gen intérêt, gen bataille entre même. On en parle dans les marchés publics. Oui. Donc bon bonne bagarre qu'a fait qu'a créé phénomène ça. Et information yo gen moun ki gen yo déjà. Ce sont les décisions qui ne sont pas prises. Et parfois, même les gens qui ont dedans, qui ont subi ce qu'on là, violence, après, ils préfèrent pas parler de ça. Parce qu'on a parlé de taxes à l'heure. Oui. Et du coup, on n'a pas payé de taxes à normal, bah, mais il y a, ou bien on paye au petit cob, oui. Après, il y a des gens qui prennent plus comme l'homme. Tout oui, ils passent chaque jour et font recette. Oui, voilà. Mais parce que pour là, il faut que les gens qui d'accord pour là, pour payer. Et bien là, si que les gens qui supposent avoir un monopole de violence, là, quitter. Yo privatiser violence là en dans espace public ça au final coûte beaucoup plus cher toi. Oh oui, extrêmement à toute la société, à toute la société. Donc il y a de l'ordre à mettre et moi-même et m'porter et petit grain de sable pas moins parce que moi-même moi m'a parlé de mettre économie et marketing là dans toute bagaille qu'on a fait faut garder moun yo. Vous comprenez? Parce que pas ou pas rien qu'on a fait sans qu'on pas passer par moun pour faire. Faut aller vers un dialogue, une compréhension de l'autre pour pouvoir le faire. Donc admettez marketing là dans toute bagaille. Mais en même temps les autres sciences doivent rentrer le management et la finance, vous comprenez, aider moun yo faire une meilleure gestion financière, la fiscalité de, toute qualité bagay, c'est pas rien de d'extraordinaire. Donc ça on dit c'est pas un bagay qu'on crée tout le temps parler, lui parler le bas parfois. Et lorsque moun qui supposé bay travail, qui fait travail ça, bay sécurité ça, lui pas faire, finalement crée une insécurité au niveau économique. Oui. Puisque l'on met des goûts comme ça, si chaque achapé des boules pas bay moun comme ça. Et c'est pas comme l'état de gain, masse pour nettoyer augmenter en goût. Oui. Même moun dans marché à kounya qui besoin remplacer produit là parce que commerce avec importation fait. Dollar américain va monter sous lui. Oui. Donc, oui. Tout le monde a monté. Tout le monde a monté. Pendant du taux d'intérêt, nous n'avons pas eu de finances à l'heure. Entreprise microfinancière, depuis des marchés, sont un problème lié. Qui oui. Fait que ton intérêt microfinancier est plus élevé, oui. C'est un risque qui vient là. Oui, son risque extrêmement élevé parce que le marché a appelé des boulets. Donc, machin, même l'intérêt par eux, si je investi, faut que bon minimum, faut accepter. Bon bagage un peu que. Enfin, un pile là, nous. Gagner comme problème, c'est que on veut tout gagner et rien perdre ou rien concéder. Mm-hmm. C'est pas possible. Ça veut dire que là, toute bagaille gon coût, toute bagaille gon prix pour payer et tu ne pourras jamais tout avoir. Et li la marketing dans tout, c'est que faut qu'on connaît que tu aucune entreprise pas mettre la tête li que l'a capable gagner tout le marché parce que quand on t'a dit tellement gain marché à l'intérieur de marché que c'est ça qui fait que li bay la pluralité des offres des produits et etc et que Jacques joigne pas li Josette joigne pas li et que tout le monde finalement tout est satisfait tout le monde plus satisfait avec la pluralité plutôt qu'avec une seule offre. Donc marchand yo faut que bon travail qui pour faire faut que moun ki chita avec yo mais ça ne passera pas seulement par la parole. Donc il faut fini. Il faut les mettre dans un corset pour dire que mais comment que la fête qu'on y est sont pas rentrer là-dedans ou dehors. Donc n'a fini avec tout marketing ça que trouvé dans petit espace ça que le marketing commercial pour faire qu'on ait un bon produit dans marché là que le marketing social pour faire qu'on ait espace à pas déranger l'environnement. Donc pour vendre tout image puisque c'est un espace là marketing politique pour que gouvernement dit quoi que même bail sécurité dans zone ça même police nationale a un rôle pour jouer dans l'environnement marketing sociétal qui peut être regroupé tout ça au palais là finalement tout est marketing là pour me faire retourner l'émission oui non moi c'est vrai c'est-à-dire que marketing là il vraiment est tout côté ou besoin on moi-même moi crois que si nous pas adopter on approche marketing nous gagnons un risque d'échec
parce que bon il y a deux éléments nous pas tenu compte de. C'est par exemple on dit bon OK c'est n'a tenu compte de n'a fait marché là c'est pour machin avec pour monde qui pour l'acheter qui cap vient acheter. OK nous fait très bien mais n'oublier monde qui cap vivre dans zone là. Mm-hmm. N'oublier monde cap passer ces zones là. Cap passer dans zone là. Eh ben un jour c'est comme ça marche l'autre côté c'est comme ça le marché ici a compétition a gain un bagage cap fait grand action de représailles parce que un monde qui doit pas content que marché a dérangé il gain doit faire bouler le tout. Oui. On parle de des fois yeah. Marketing n'a mandé les affaires me dit ça ne se demande pas sur le plan commercial de s'occuper uniquement de ses clients. Le marketing te demande tu dois t'occuper de tous parties qui gain doit influencer succès ou échec entreprise ou institution. Ce qui fait que donc l'on parle de marketing, on parle de tout ça que relè les parties prenantes, tout le monde qui a une implication quelconque là et soit pour le faire. Si moun ça li ka pose un risque pour bailler la pas réussi ou bon marketing pour faire. Auprès de lui-même, ils sont public cible pour aller pour mettre un plan à la limite pour le pas déranger tout simplement. Donc il doit y avoir un plan pour attaquer, il doit y avoir un plan de défense aussi. Marketing dans la donne, c'est une stratégie qu'on a parlé. Merci beaucoup. On voit très clair, bénéficio ou capable d'ailleurs, mais faut minimiser coût et tout. Tout ça qui dérange, c'est ça que l'expert marketing Claude Benassé s'est voulu partager avec nous. Mais on va vivre dans l'urbain. L'urbanisme sera là et marché a toujours existé. Faut une gérer bien. Merci. À la semaine prochaine.